Et salut à toutes et à tous, c'est Guillaume Formula IGA de la French Open YouTubers, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo de rétro gaming sur Mario Kart 64. Tout ça avec une ROM trouvée sur internet pour l'émulateur Mupen 64 pour tout ce qui est ROM de Nintendo 64 sur un boîtier TV Android à 199 euros sur le marché français. Là. Nvidia Shield TV. Voilà, on se retrouve sur une petite vidéo détente que je fais sur ma carte 64. Alors, on a deux ROM, malheureusement. La première, celle où on avait toute la sauvegarde, j'arrivais pas à la lire l'autre jour. Donc, du coup, je prends l'autre, hein, vu qu'il n'y avait rien. Et donc, on va partir sur un Grand Prix Coupe Champignon Mushroom Cup en 50 cc. Et je suis avec Donkey Kong, le gorille de l'île de Kangaroo Bongo. Que vous connaissez sans doute dans Donkey Kong Country. Et on est parti. Alors donc normalement initialement il devait y avoir prévu une vidéo sur Crash Tag Team Racing pour la suite d'une playlist. Bah, il n'y aura pas, car malheureusement, alors mauvais coup du sort, alors ça fait bugger Dolphin, ça fait bugger les manettes, et également j'ai perdu la sauvegarde et la vidéo la deuxième vidéo était malheureusement illisible. Donc du coup pour le temps que j'ai perdu à faire une vidéo sur ce jeu, et vu comment j'ai avancé dans ce jeu, ben, voilà, j'ai décidé de passer à autre chose. Et donc du coup, ça on peut pas trop quoi faire. Du coup, je me dis, allez, je vais faire une vidéo sur un jeu Nintendo 64. Là, au moins, je suis sûr que ça va pas trop bugger techniquement parlant. Et en plus, voilà, Mario Kart 64, c'est un jeu, on va dire, très utilisé et très populaire pour son époque. Donc, du coup, voilà. Et donc, voilà, pour revenir donc sur les défauts techniques, voilà la fiabilité dont j'en ai peu parlé dans la vidéo sur Crash Tag Team Racing, justement. Et bah, donc, que ce soit Internet, le matériel comme la Xbox ou la Nvidia Shield TV ou les applications comme Dolphin Emulators. Enfin bref, voilà. Il y a des vidéos qui peuvent prendre du retard, voire même être annulées. Comme c'est le cas donc du coup. Pour toutes les vidéos que j'aurais pu faire sur... Ouf, là j'ai eu chaud. Sur Crash Tag Team Racing. Et du coup... Et du coup, voilà, je me retrouve à faire une vidéo sur Mario Kart 64 à l'improviste. C'était purement pas prévu. Et bon, malheureusement, j'ai... Entre tous ces problèmes, j'ai perdu quoi une heure. Donc du coup... Je suis désolé, mais vu que je savais pas d'où venait le problème, du coup, la vidéo sur ma carte 64 sera de qualité inférieure à celle que je devais ou que je pouvais vous proposer. Et je m'en excuse pour tous ces problèmes, contre ma volonté, bien entendu. C'est des choses qui arrivent, mais bon, malheureusement, qui, depuis le début de cet été, arrivent trop souvent. Et je dirais même trop fréquemment sur cette dernière semaine. Hein. Bon, on va passer à autre chose. Suite au là aux dernières lois sur l'Europe, là concernant la partie sportive. Vu que je sais pas trop comment ça va se passer, voilà, j'ai décidé qu'on va supprimer toutes nos vidéos de résumé, débriefing de course automobile.
dont les Midget Series. Donc voilà, malheureusement, on est obligé de mettre un terme à ceci. Aucune prise de risque sur ce sujet. Et du coup, ça sera remplacé par d'autres vidéos. Ah, j'ai juste trouvé les boutons pour accélérer et voilà, et puis se diriger, tirer sur les objets. J'utilise que ça, c'est après le drift ou autre. Oh, je me suis pris la taupe. Ah, la victoire au Mario. Ah, fait chier. Putain, dans le dernier tour, je perds. Je perds dans le dernier tour à cause d'une taupe. Bon, je suis content, c'est le troisième qui gagne. Si, cela, si ça avait été la deuxième, ça aurait redistribué les cartes. Ouais, j'ai calé, génial. Ah si, voilà, j'ai trouvé pour sauter et drifter. Yes! Stupide. Stupide palmier. Tiens, dégage, toi. Oh, attention au crabe. Ah, sinon, franchement, sur Crash Tag Team Racing, j'avais bien avancé. J'étais à la deuxième partie du parc, là. Et bon, malheureusement, je vais pas m'embêter à me retaper tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Vous comprendrez que j'ai pas le temps. En plus, si c'était pour fumer 3 gigas de vidéos juste pour retenter, je sais pas, 2-3 heures de game, non merci, hein. À ce niveau-là, je préfère faire une vidéo sur autre chose, moi. Ouf! Flûte de zut. Alors, j'espère juste que ça va pas déconner. Ça, normalement, niveau sonore, il devrait pas y avoir de soucis. Par contre, là, ce que je crains, c'est c'est plus, comment dire ça, le fichier qui soit un peu. Un peu long, on va dire, pour la lecture, quoi. Au niveau du chargement. C'est plus ça que je redoute. Ah là, du coup, je devrais être tranquille normalement pour finir premier. Du coup, pour la deuxième place, il va y avoir bagarre. Mais tout mathématiquement reste possible pour le top 4 aussi. Allez, on est parti.
Une dernière petite course. Et je pense qu'une douzaine de minutes pour une vidéo comme celle-ci, ça devrait aller. Oh. Hop là. Oh. Ah, c'est pareil. Moi qui croyais les avoir largués, ben non. J'ai beau faire du rallycross, j'arrive pas à les semer. Ah, bah voilà, bah évidemment, il faut que j'ai rien. Ils étaient tous fauchés. Sans objet. Rien. Nada. Que de chi. Boum! Oula, je vais me faire bananer par une peau de banane. Et finalement, c'est Mario qui se l'est pris. Ironie du sort. Ah, Bowser quatrième. En bagarre avec Yoshi. Ah, flûte, là, j'ai un petit peu... J'ai un petit peu cafouillé là sur mon virage. Je vais tenter un petit truc pour gagner du temps, mais non, ça n'a pas marché. Ouf. C'était chaud pardi! Ah, j'avoue quand même, les pots de banane, ça me manquait. Ah, c'est Todd maintenant en quatrième position. Ah, flûte, là, cette fois-ci, ça n'a pas lancé en arrière. Mario 2. Qui va emporter ce duel pour la deuxième position. Et c'est Mario. Voilà, Mario qui termine officiellement deuxième de la Coupe Champignon. La Princesse Peach qui complète le podium. Et Todd qui arrache le dernier point de cette coupe. Et qui, du coup, termine cinquième. Et laisse ex-aequo et bon dernier Bowser, Luigi et Wario. Et voilà. Et voilà. La cérémonie du podium. J'espère que cette vidéo vous aura plu, chers viewers, chers abonnés de la French Open YouTubers. N'hésitez pas à me faire des suggestions de jeux rétro si besoin. Et d'ici là, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite à vous tous un très bon automne. Sur ce, je vous dis à plus. Ja, né.